Je suis avec mon chat. Mais non, mais les chats c'est bien, mais ça cuisine pas les chats. Mauvais investissement le chat. C'est toi qui le nourris en plus. Mauvais investissement le chat. De l'eau. J'adore les chats. Bois de l'eau, s'il te plaît. Et chocolatier Paul. Ah putain, le bâtard, il a remis du rhum. Comment ça va et merci pour le 9e mois d'abonnement. Ça va très bien toi, le bébé Twitch. Mange mon frère, il y a le rhum. T'inquiète pas, Coco. Ça dit quoi, Paul? Moi, c'est les vacances. J'ai pas encore fini mon shot, donc... Bon, bah, tu vas le finir. Bah, ça fait mon shot de rhum. Non, tu vas le finir. Ça m'a très moins pas. Tu veux quoi comme... c'est qui a payé le rhum, là? The Caras, tu sais ce que tu veux ou pas? Ou je te le remonte? Grâce que bien, ça te fera un repas un jour. C'est pas faux. Certaines personnes pensent être intelligentes, mais l'éducation, c'est respecter l'autre. Ouais. Quoi? Non, mais ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est juste qu'ils sont cons au-dessus. C'est juste qu'ils sont de mauvaise foi. Tu peux me dire, oui, je fais du bruit. C'est normal, ils ont un enfant. Donc l'enfant, c'est le gosse. J'y connais rien, je te laisse le choix. On va prendre un truc léger. Petite pause dans le rush. Bah ouais, il est en plein rush, là c'est Noël et tout. Chocolatier. Noël, là, c'est une période de fête. Là. Je voulais sortir. Ah oui, le rhum. Lui, il est léger, il fait que 25. En léger, on passe. Vous, hein? Ouais, non, mais ça va, il fait que lui, il fait 24 degrés. C'est bon, c'est moi qui vais faire du bruit pour les voisins, tu vois. Ça va être moi, la voisine qui bouge les meubles. Ils marchent pas les assos, ils sont cassés? Ah non, mais. En vrai, je suis le plus modo. Pourquoi l'a dit dimanche le cadeau au TDP? Putain, la mémoire, c'est pas. Bon, on va d'abord. Tu peux la filmer, tu la filmes juste à droite. Non, tu peux la filmer. Mais je crois. Trop, il y a peut-être même un peu trop d'eau. Ah ouais? En vrai. Franchement, je sais pas. Hein. Ouais, moi, je te dis. Okay. Parce qu'elle accroche à peine. Hein. Tac. Allez, on regarde un peu la cuisson, je vais regarder la viande. Putain, mais ça fait trop mal les brûlures. C'est trop bien, ils coupent si bien tes couteaux. Oh là là. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Ah, investir ouais. Dans des couteaux de cuisine, c'est vraiment... Non, faut juste les aiguiser. J'en ai qu'un qui... Ouais, je sais pas. Faut juste les aiguiser. Les faire aiguiser. Les couteaux. Non, mais tu les... Tu me vois un tuto de comment aiguiser un couteau? Parce qu'à chaque fois, je les aiguise, mais je sais pas si c'est... Bah, le problème, c'est que si ton couteau de base, il est pas aiguisé, il faut l'amener chez un aiguiseur. Pour de vrai. Ah non, pour de vrai. Tu sais, c'est un aiguiseur? Bah oui. Non, c'est un vrai métier. Bah, enfin, c'est un couteau, c'est un aiguiseur, il faut pas que ça, il fait des petits... Aiguiseur. Regardez la viande, là. Faire le vinéo. Non. C'est trop, c'est un rhum, t'attends. Par contre, on va goûter le jus, peut-être. Regardez. Ça fait trop mal, putain, mais ça fait trop mal la brûlure. Sachez que quand vous brûlez, ça brûle au moins pendant 15 minutes. Genre. C'est une infirmière qui dit ça. C'est le bouddhiste. Un rémouleur, ça s'appelle. Pour aiguiser les couteaux. Mais du coup, il fait que ça. Mais moi, c'est un coutelier, donc il fabrique des couteaux, il aiguise. On va goûter le jus là. Le jus? Le bouillon, ça se trouve c'est dégueulasse. Mais c'est sans, c'est pas bon. Ouais. Ça serait dommage, spirit. Franchement la viande... Franchement ça serait dommage, c'est pour ça. On va goûter maintenant et l'enlever. Ouais, ça va, la viande de... C'est sorti une cuillère. Hein. On n'a pas salé. Ah, mais quoi, t'as dit salé?
Il y a tout pour... T'as de la sauce soja, c'est bon? Ça va. Il y a beaucoup d'eau, je pense. Hein. Ouais, bon, on va faire réduire. Mais de toute façon, ça va réduire, le temps que ça cuise et tout. Ouais. Mais c'est très peu de goût, par ça contre. Fait, hein. Ça fait déjà... Ça fait très peu de goût. On va rajouter... Rajoute... Plus d'ensemble. J'avais plein de trucs à Montpellier. J'ai de la pâte de haricots trop bonne. Ils utilisent pour saler. En Corée, en Malaisie... Qu'est-ce qu'elle a fait, Chacha Chou? Une soupe paysanne, vraiment. Ah! Bon, ben on parle de l'équité homme-femme. Monsieur Fort, ben, c'est toi qui choisis. Hein. 7 pour. Peut-être. Enfin, pour qui? Bah, lui. Non, ben là, c'est lui qui choisit. C'est sa chaîne. Ben, aucun rapport. T'es invité. C'est incroyable. Attends, je vais rajouter du parfum. Déjà, je sais affiner. Je vais racheter du gingembre aussi. En plus, j'ai fait la pâte et tout pour les. Oui, j'ai travaillé. Et en plus, son ascenseur, il était bloqué et il montait tout à pied. Et il y a beaucoup d'étages. J'ai déjà fait. J'ai racheté du gingembre et du paprika fumé. Ils ont dit que c'était pour toi les petits. Non, pas il, c'est une personne, c'est M. Sofort. Désolé Fanny, hein. Allez où cette... Ah, c'est bon, voilà. Tu choisis. Ça fait trop trop mal. Le sel, il est où? Trop chaud, pourquoi? T'avais quoi, c'est pas refus? Il n'y a pas de refus ici. Ah, c'est bon, cette squat en vrai, c'est pas. Je sais pas. Je pense pas, hein. Franchement. Bah, fais les squats, on s'en fout. Fais les squats, ok. Bah, le sport, c'est important. Super. Bon, vous l'avez SBC, quoi. Bon, y a pas de. Ouais, ok. Je contrôle. Hein? Je sais pas comment on fait les squats. Bah, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est ouais, genre, c'est bien. Face en arrière et. Ça va, comment ça fait? Une. Vous pouvez me dire si tu veux bien les squats. Deux. 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, ça c'est fait. On va trop chiant. Elle se fort. Avec un H au début, comme ça on sait pas comment prononcer. Fini ton rhum. Mais attends, arrêtez de me. Waouh! Tout doux. Par contre, il a l'air vraiment bon, lui. Je pense que tu as fini celui-là? Oui, mais. Oh, la viande, elle est. Oh là là, la viande. Oh, il a l'air trop bon. Ananas Victoria. Oh là là. Oh là là. Ok, je suis d'accord de prendre un deuxième juste pour le goûter. Ok. Qu'est-ce que. Quoi? Ah oui, on va découper les fruits. Tu peux bannir les gens, ça fait quoi quand tu bannis des gens? Hein? Ça fait quoi si tu bannis des gens? Bah la personne ne peut plus parler dans le chat. Non. Elle est bannie. Mais elle peut voir le stream. Rhum ananas, c'est bien gris, bah ouais, ça a l'air vraiment cool. Ouais. Ananas Victoria, rhum orangé. Ça sent vraiment bon. Ah, c'est bon. Il a l'air fort. Bah, je crois pas. 24. Non, 24 degrés, il est vraiment. Ah non, celui qu'elle a bu? Celui qu'elle ah, a bu, non? Lui, ouais. 40. Pour moi, c'est bon. 40. Tu fais les soirées étudiantes, toi? Oui, bah écoute, moi je bois de la bière, d'accord. Et deux bières en général, ça me suffit très largement pour coucher l'animal, quoi. Bonsoir. Salut Valkyrie. Il demande si c'est une de la Réunion. C'est du Carrefour, oui, du coin, ouais. Ah. Une de la Réunion, ouais. À la Victoria, de toute façon. Bon, j'attends que tu te mettes à niveau. Quoi, tout ça, madame? C'est la grippe. Est-ce que tu peux te laisser me servir? Je suis pas sûr de. Enfin. De viser? Bah, en fait, le boulot, ouais, il est gros. Non, en vrai, ça devrait être. Vas-y, vas-y, merci. Merci. Oh, il est vraiment. Ouais, c'est vraiment bon. C'est normal que j'ai plus de rhum dans mon frigo, dans mon congèle que de bouffe. Qui a payé celui-là? C'est The Caras. Merci pour le rhum. Tu t'y vas? J'ai senti. Ouais, mais ça, ouais. Toi, tu fais que des shots, quoi. Genre one shot. Non, mais au moins, je suis prêt. Au moins, je suis prêt. C'est nul. Bon, c'est bien. Au moins, je suis prêt. Très bien. Alors, par contre, on va faire. Ah ouais, ah ouais, j'ai mis une masse de gingembre, ça sent le gingembre de fou.
connecté. Oh, ça brûle. Ah ouais, c'est vraiment bon. Tu veux que je fasse un truc? Oui. Tu t'as couvert, mais tu veux pas laisser... Bon, j'ai découvert un peu. Dis-moi, on va éplucher les fruits. Les fruits? Les fruits. Épluchons les fruits. Petit ananas. Mmh. Oh, vraiment, il est trop bon. Petit pitaya. Ça, je suis OK, tu vois. Ça, ça va partir trop, trop vite. Les bananes, on va faire après. Ça, ils en mangent plein en Malaisie. Genre vraiment, dès que tu vas sur côté, hein. Pitaya sur côté. Hein. Pitaya, comment on dit? Truc du dragon, pitaya, c'est pareil. Ben ça, il y en a plein, mais eux, ils mangent un qui est violet. Lui, je pense qu'il est blanc. À l'intérieur, il est blanc. Il y a deux sortes, il y en a un, il est violet, et dès que tu le manges, t'as l'impression que... Ce sopa, il tombe. Mais faux, on en a déjà vu. Non, et waouh, regarde. C'est toutes les demi-heures. De toute façon, le cooldown, c'est toutes les demi-heures. un peu. Mais du coup, les leurs, ils sont violets, surtout. Et ça a pas trop de goût, mais... Ça fait plein de couleurs. Enfin, il faut surtout pas s'en mettre dessus parce que ça part pas quoi. Donc, mais le goût a éclaté au sol un peu. Sur côté, le goût, c'est pas incroyable, mais c'est beau. Ouais, c'est juste beau. C'est très beau. Comme fruit. Mais du coup, j'en ai jamais mangé du blanc. C'est cool. Je sais pas du tout comment ça s'est fait. C'est plein d'ananas. C'est pour ça que je le regarde, je suis là, genre, ok, très sympa. Mais je pense, tu coupes en deux et ensuite t'épluches. Ou t'épluches. Bah non, en vrai, je pense. On s'en fout, faut que ça soit joli, faire une assiette... Bah alors on coupe en rondelles, alors faut les éplucher comme ça. Bah vas-y, je veux bien essayer, mais dis-moi toi comment tu l'aurais épluché. Bah comment vous, enfin, comment vous couperiez un truc pareil? Ils savent pas cuire des pâtes, je crois qu'ils vont très bon. Il est horrible, pourquoi vous le suivez? Parce que c'est la vérité. C'est après du démon, bah au moins, du dragon. C'est du dragon. Attends, moi. C'est moi qui dis. Waouh! Ouais, il est pas cool, hein. Je suis d'accord. Y'a que la vérité qui blesse, qui fâche. Si vous êtes fâché, c'est que c'est la vérité. Si vous êtes pas fâché, c'est ok. Non, parce qu'on sait pas qu'il y en a pas. Je fais du riz aussi. Ah shit. Je pensais pas que c'était aussi bas. Attends. Comme ça. J'ai envie de toucher comme ça, mais j'ai un super doigt là. Je sais pas si tu veux plus, je joue 4 et c'est trop. Je fais cuire mes p*** dans mon riz. Économie d'eau, c'est important. C'est le fait. Mais laisse-moi, j'ai envie de goûter. Attends! Ah ouais, ça. Ça va pas de... Bah ici, je pense aussi, ils sont pas hyper mûrs quand ils nous les envoient. Vu que c'est exporté. Enfin, importé, du coup, en France. Ah ouais, non, quand même, en Asie, c'est vachement plus sucré. Ah bah. Je pense pas qu'ils soient mûrs. Hein. Tu fais ce que tu fais pas comme moi. Fais un autre truc. Mais oui, mais t'as tout cassé, moi je voulais les couper en rondelles, c'est super ouais, bon quand c'est en rondelles. Ouais, je sais. Bah voilà, bah t'es trop chiant. Bah tu feras des demi-rondelles et tu les recolles après, ça fait des rondelles. Ah! Mais le problème des rondelles, c'est que ça n'a pas de volume. Ouais, mais comment on peut faire? Sinon, tu sais, des fleurs, là, tu les... Qu'est-ce mais je sais pas si je peux. Je vais essayer avec un. Des fleurs? Oui, attends, je vais faire. Vas-y, je te laisse. Je te jure. Salut, Kuromori. Comment ça va? Alors, si tu fais ça et tu je vais couper beaucoup trop grosse. Non, ça marche pas. C'est bon, ça marche pas. Bah oui. Je vais essayer. Je fais des expérimentations. On paie, madame. On paie. Et on a du. Comment ça s'appelle ça déjà? Ah, ça glisse. Ah mais ça aussi ils en ont plein en Malaisie, ça c'est le la reine des... Alors je vais vous apprendre un truc de ouf que m'a appris ma host mam quand j'étais là-bas. Ça on appelle ça, je sais plus, je crois le fruit de la vie, parce qu'en fait... Genre ça, en bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de petite fleur et le nombre de pétales qu'il y a à l'intérieur,
et ben ça te dit le nombre de fruits que tu vas avoir à l'intérieur. Donc là, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben du coup, tu auras 6 fruits à l'intérieur.